Hey, salut à toutes et à tous et nous j'arrive même plus à faire une introduction. Bon bah, donc je recommence, donc salut à toutes et à tous et nous voici partis ensemble pour un nouvel épisode de Banjo Toy en face de Chito, parce que oui, vous étiez, enfin il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'avaient dit de retourner voir Chito vu que maintenant j'avais des pages et normalement qui dit page de Chito, bah dit cheat, enfin cheat hein. En tout cas, des avantages qui sont non négligeables, si je puis dire. Et on va voir ce qu'il me propose déjà. Génial, vous avez récupéré suffisamment de pages pour que je vous donne un nouveau cheat. Il était temps, par ici la bonne soupe. À boule les pages d'abord. Allez, tiens. Je vous suis redevable. Mon deuxième cheat est eggs, compris? Je vous suis redevable. Mon troisième cheat est fallproof, compris? Voilà tous les cheats que je peux vous donner pour le moment. Trouvez d'autres pages, vous savez où me trouver. Alors le premier c'était egg. Ceci est le... Alors les deux faut que je les active. Le eggs je pense c'est double les œufs. Et le fallproof je crois que ça c'est pour les dégâts de chute. Je crois qu'on a plus de dégâts de chute et ça m'intéresserait. Donc faut que je me souvienne fallproof et eggs. Ok. Je note dans ma petite mémoire. Stop. Laisse moi tranquille. Maintenant, faut que je retourne au temple Maya et que je note ces deux mots de passe. Et ensuite, on verra bien ce que ça fait. Par contre, j'ai intérêt de m'en souvenir. Hein. J'ai pas intérêt de zapper. Allez, donc direction temple Maya. Totoro. Non, 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 non. Voilà. Je me gourre une fois sur mi. Enfin, une fois sur 5 avec ce truc. À faire B. Enfin, ah non, j'ai fait Z justement. Faut pas faire Z, faut faire B. Bon, bon, vous me pardonnerez, je fais des petites erreurs comme d'habitude, ça change pas trop d'habitude. Et après ça, on retournera voir Maya l'abeille, parce que je crois qu'on a assez d'alvéoles pour avoir un nouveau point de vie. Et une fois qu'on aura ça, on retournera dans le monde de glace, enfin le monde lave-glace. Et on ira encore aider les aliens pour essayer d'avoir leurs pièces de puzzle. Et après ça, on verra combien on en a déjà et on verra après ce qu'on fait. Donc moi, je voulais aller, c'était clairière. Voilà, c'est clairière, on a fallproof et eggs. Faut pas que j'oublie, de toute manière, c'est des mots anglais, donc l'orthographe, ça me posera pas trop de soucis. C'est plutôt si je les oublie, qui serait un peu ballot. De toute manière, là, en plus, on peut directement, normalement, on a des téléporteurs dès le début du niveau pour se rendre de manière beaucoup plus efficace et rapide dans le temple Maya M. Enfin, si je me... Ouais, c'est Maya M. Donc c'était entrée, non. C'était où déjà? Ah oui, près du Wigman de Oumba. Voilà, je m'en souviens. Un petit peu. C'est vrai que c'est génial parce que autant dans Banjo Kazooie on retournait jamais dans les précédents mondes, autant dans Banjo Toy on. Enfin, on est au moins retourné 2 à 3 fois minimum dans chaque monde après les avoir terminés, ce qui est pas mal. Allez, esquive! Oh! Oh, comme je l'ai! Oh, comme je les ai esquivés! Parfait! Et donc là on va pouvoir rentrer le mot de passe, alors va falloir que je fasse gaffe, va pas me gourer. Donc eggs, donc déjà on va faire eggs. Un E. Puis un G, il est où le G? Petit G. Alors vous l'avez vu j'en suis sûr, vous me gueulez dessus. Oui il est juste là en plus. Là. Encore. Voilà, et un S. Je demande un S qui est tout en haut. Non. Ah. Mince. Faire recommencer à la première lettre. Ah mais c'est chiant. C'est tellement mal foutu je trouve ce système. Deux. C'est tellement sensible. Là doucement. Allez. Oui c'est bon. Le cheat X vous permettra de porter 2 fois plus 2. Donc ça c'est parfait. Et maintenant l'autre c'est fallproof. Un F. Ah il pouvait pas faire plus simple hein. Un A. Maintenant il faut 2 L. 1 2. Le P il est ici, je vais y arriver. Ah voilà. Puis un R. Après il y a 2 O. Et un F. Allez, 1, 2. Et le F il est fallproof, là. Voilà. Le cheat fallproof vous permettra d'éviter d'être blessé par des chutes trop importantes. Ah oui, ah oui les amis. Ah ça j'adore, j'aime. Ah oui, je vote pour. Mais par contre, ah oui, c'est là pour les activer. Donc on va les activer, je pense que vous m'en voudrez pas, c'est pas spécialement trop cheaté. Double, oui. Non, oui. Et énergie due aux chutes. Pas de perte d'énergie due aux chutes. Oui, parce que là, avec le nombre de fois où je suis tombé,
Ça m'aurait évité beaucoup de problèmes. Oh, hé, petit tigre là, tu me cherches là? Voilà, merci, au revoir. Oh, comme si j'ai esquivé. Par contre, c'était où? Il y avait un passage directement entre les deux mondes de souvenirs. J'ai plus souvenir où exactement. Attendez, réflexionnons. Où était le passage secret? Où était le passage secret? Ouais, j'avoue, je sais plus. Bon, de toute manière, je veux pas retourner directement, je vais faire autre chose. Je vais aller voir si on peut augmenter notre énergie. Donc en tout cas, déjà, ne plus avoir de dégâts dus aux chutes, ça va sacrément bien nous aider, je pense. Et fais voir les œufs. Waouh, en plus, deux fois plus deux. Oh mon dieu. Bref, que ramasser les pages de Cheetos, ça ne sert pas à rien. C'est même très utile. Ça nous facilite un petit peu la tâche, surtout que le jeu a tendance à bien se corser. Si vous trouvez ça trop cheaté, dites-le moi. Mais perso, le dégât de chute, je trouve que c'est un peu mérité avec le nombre de fois où je me fais avoir par des bêtises. Pinhead. Non, c'est pas là. Je me suis gouré. Oh, je me suis gouré. Allez. Bon. On va y aller directement à pied, ça ira plus vite. D'ailleurs, normalement c'est juste là, si j'ai une bonne mémoire, les mondes étaient reliés côte à côte, et donc là normalement devrait être là où il y a la ruche. Oui, c'est bon, bonne mémoire, ça va. Donc la ruche est là-bas, on va pouvoir aller chercher notre pièce de puzzle, j'allais dire, non, notre nouvelle alvéole d'énergie. Enfin, si on a assez, parce que ça c'est encore autre chose, ça je ne sais pas. Alors... Dis-moi, jolie demoiselle, jolie petite abeille, est-ce que est-ce que je mérite avoir une vie supplémentaire? Oh, plus j'en ai 12, ah oui, là je mérite, hein. Je suis Onibi, je vous donnerai de l'énergie en échange d'alvéoles vides. Alors, vous avez assez d'alvéoles pour un point d'énergie supplémentaire. Vous voulez échanger? Bah bien sûr, ça sert à quoi sinon? Bien sûr, ma jolie. Alors, envoie tes alvéoles, mon gros ours. Voici ton énergie supplémentaire. Ça va coûter combien en alvéole? Ah, 5. Ah oui, la prochaine, donc c'est 9. Donc oui, on est encore loin du compte. On a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, eh, c'est bien, hein. 9 points d'énergie, comme ça, on va éviter de mourir encore plus. Ah, là, je pense qu'au bout d'un moment, on n'aura plus de game over à ce rythme-là. Enfin, faut pas non plus trop rêver avec moi, vu les manières dont j'arrive à mourir. J'arrive à mourir de manière assez très bête. Et ça, j'avoue que c'est un peu con. Désolé du mot, mais c'est celui-là qui convient parfaitement quand je me gourre comme un boulet. Donc je trouve pas de meilleur mot pour caractériser parfois les bêtises que j'arrive à vous faire durant un épisode. Ah, donc là, on est de retour et on va pouvoir retourner dans le monde de lave. Quoique, je voulais aussi retourner dans l'industrie Grunty pour essayer d'avoir la nouvelle pièce, vu que maintenant on peut séparer Banjo et Kazooie et qu'on a le sac. Mais on le fera après, je pense. Pour l'instant, j'aimerais vraiment régler cette histoire avec les aliens. Surtout le petit. Là, on avait un petit, on sait où il est, mais on n'arrivait pas à le prendre. C'est des plumes au-dessus. Je me disais que c'était autre chose, peut-être. Ah, et maintenant, ils peuvent plus me bombarder. Alors ça, par contre, c'est bien. Je peux enfin prendre mon temps et regarder tout autour de moi. Surtout que j'ai besoin, justement, de prendre mon temps. Et là, justement, ça m'intéresse parce que j'aimerais bien mettre l'eau. Attention, tout intrus dans de l'eau extrêmement chaude est sans doute en cours de cuisson. En fait, moi, j'aimerais bien, c'est ouvrir. Pourquoi je vais me le prendre dans la tête? Ah non, 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 c'est bon, je vais pas encore me le prendre dans la tête. Mais là, on voit qu'il y a Banjo. Et pourtant, l'eau, elle était trop chaude de souvenir. Attendez, il n'y a pas moyen que je refroidisse comme ça? Ouais, non. Je sais pas, ça m'intrigue parce qu'on a moyen justement de les séparer. Attendez, on va réessayer, j'ai envie de voir ce que ça redit. On a rien au-dessus, on est d'accord? Oui, on a rien dessus. J'ai absolument envie d'essayer parce que je pense que c'est assez bête, mais peut-être que maintenant qu'on a éliminé les dinosaures, ça va nous déclencher quelque chose. Ou peut-être que ça me redira un message que j'avais complètement oublié et il faudra retourner dans la Barrager. Alors, là, cette fois-ci, du premier coup, boum, dans l'eau chaude. Alors cette fois-ci, ça m'indique quoi exactement? Donc, alors, cette eau est bien trop chaude pour notre piscine. Et oui, t'es gentil mon coco, mais je suis censé faire comment pour refroidir ton eau? Parce que sinon, je te mets de l'eau du côté glace, on verra. Et là, tu vas me dire, oh, elle est trop froide. Et là, je te dirai, bah oui, bah mon petit, faut savoir, hein, c'est soit chaud, soit froid, mais c'est pas les deux. Hein. Bah, j'aimerais bien la refroidir, mais... Bonne question. Donc,
Si avant la fin de l'épisode, je trouve pas une solution et que vous avez une idée, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de savoir comment faire. Parce que là, pour l'instant, je n'en ai aucune idée. Alors, si balancer des œufs, ça ne suffit plus, je vois pas ce que je peux faire de plus. Alors, côté glace, zone supérieure, ou côté grotte, glaçon, non, côté glace, zone supérieure. Non, Wumba, fallait. Allez, Wumba, je me suis gouré. Quoique, faut voir où ça nous mène, peut-être qu'à un endroit intéressant. On est où, là? Ah oui, ça va. Oui, bah, c'est bon. Au contraire, ça me va amplement. Oui, c'est bien, poursuis-moi, allez. Plus vite, Chichi, on fait un peu de sport. Déjà, moi, je veux séparer Banjo et Kazaï. Et je veux que Kazaï. Allez, Kazaï. On va voir ce qu'on arrive à faire, toi et moi. Wouhou! Déjà, on arrive à éliminer les brutes. Oh, deux coups, ça suffit pas. 3. Et 1. Et 2. Et 3. 0. Ah, c'est vrai que c'est saut, c'est tellement génial. Oh, j'adore. En plus, c'est vrai que Kazaï seul, c'est beaucoup plus agréable à jouer que Banjo. Il saute partout. Il peut planer, il va... Enfin, c'est Speedy Gonzalez, quoi, c'est... Y'a rien de plus à rajouter, à part que je l'adore, Kazaï. Enfin, seul, hein. Ah, quand il est avec Banjo, il est un peu casse-pied parfois, mais il a bon fond, il a bon fond. Et par hasard, y a pas un truc derrière, là? Peut-être que je suis déjà passé par là. C'était comment? Non, c'était comment? Comme ça? Voilà, c'était comme ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'était de retourner ici pour voir l'alien. Je vais voir s'il a pas quelque chose à me dire une nouvelle fois. Alors, mon petit alien, t'as un truc à me dire? Fais froid, chauffer bébé, s'il vous plaît. Ah, d'accord, bah alors c'est simple. Non, mais. Attention! Wouhou! Bah, je fais quoi à ton avis là? Je te chauffe pas là? Oh oh! Non, mais. Tu m'as dit chauffer bébé, s'il vous plaît. Fais froid, chauffer bébé, s'il vous plaît. Ah, arrête de te plaindre, fiston. Non, mais je veux le réchauffer, je veux pas lui parler. Stop de lui parler. Alors, attention. Non, ça suffit pas. Tu veux que je fasse quoi de plus? Ah, ou peut-être je peux le couver, non? Allez, attention, couver. Non. 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 Mais c'était comment pour couver? Bonne question. Comme ça. Ah, non. Comme ça. Voilà, je te couve. C'est bon, t'as chaud? Oh, c'était ça? Sérieux? Non. Terrible, moi bien au chaud maintenant. Il est temps de rentrer à la maison. Vous êtes sérieux? Fallait couver le... Moi, je faisais ça pour rigoler, j'y pensais pas vraiment. D'accord, et en plus, on a tous les bébés, donc... Bah, c'est nickel. À faire de la mer, parfois ça sert. Bien joué, mais je vais devoir vous éliminer pour avoir pris aussi longtemps. Vous avez vu mon laser? Ah, il doit être sur le vaisseau. Tara s'est épargné pour l'instant. T'es rien. Débutez séquence de téléportation. Ok, alors c'est génial, hein. On vient de les sauver et eux, ils veulent encore nous exterminer. Bon, bah, au moins, c'est rapide, hein. On s'en sort bien. On a fait plein de choses déjà. Et ça, c'est plutôt vraiment cool. Et il nous laisse même une pièce de puzzle. Bah, dis donc, comme on dit, tout travail mérite salaire. On a bien bossé. Donc, on a droit à une petite pièce de puzzle. Attention. Ah, donc là, je tombe, mais je perds pas de la vie. Enfin, je crois. Ou peut-être j'en perds moins. Mais non, mais je crois que j'avais déjà ça comme vie, donc... En fait, peut-être qu'on a le bruit de la chute, comme si on était tombé. Mais on n'a pas les dégâts, et donc ça, c'est plutôt bien. Oh oui, on perd plus de vie, c'est génial. Je vais pouvoir faire des bêtises, je vais pouvoir sauter de 10 000 mètres de haut et ne pas avoir un seul dégât. Si ça, c'est pas génial, ah, ça j'aime. Par contre, non, mais j'aimerais retourner de l'autre côté, si possible. Ah oui, là, il y a encore l'autre. Il n'y a pas moyen que directement je tombe et boum, comme par magie. Attendez, là c'est où pour aller, pour retourner de l'autre côté? C'est ça que je suis en train de me demander. J'aimerais descendre. J'aimerais aller de l'autre côté. Là, en fait, ouais, je tourne en rond. Oui, je tourne en rond, c'est bon signe. Oui, merci Yeti. Tu as un super coup de pied. Tu devrais jouer au foot. Tu vas faire des miracles. Mais pour l'instant, tu me laisses tranquille. J'aimerais aller de l'autre côté, mais je... Ah, voilà, c'est là. Moi, je veux récupérer ma pièce pour l'instant. Glissade. Voilà, wouhou. Magie.
Ah oui, il y avait dans l'igloo, il y avait la famille Boogie, Oogie, enfin Boogie Oogie. Je confonds avec Kingdom Hearts avec Oogie Boogie, j'ai l'impression, mais la famille d'ours. Vous voyez de laquelle je parle, je pense. Et si je ne pense pas, bah je pense quand même. Oh oui, elle est belle cette pièce. Elle nous est donnée, easy, easy. Et allez, une nouvelle pièce de puzzle. Donc dans ce monde, nous avons déjà 8 pièces sur 10, ce qui est un score tout à fait honorable. Alors maintenant, on fait quoi? Ça c'est la question. Moi j'étais tenté, c'était le coup de l'eau, mais l'eau je sais pas comment la refroidir. Et j'aimerais bien remonter en fait, j'aimerais bien remonter tout en haut, voir s'il n'y a pas d'autre chose à faire. Là le problème c'est quand il vous reste que 2 pièces, alors là pour les trouver, oh mon dieu, c'est complètement galère. Et vraiment pas facile. Donc là on avait déjà utilisé, moi je vais remonter de l'autre côté. Pour ça il me faut les bottes. Merci, ah oui le Jinjo. Alors par contre le Jinjo je sais pas comment faire. Oh l'attaque. Non. Ah ou peut-être qu'avec Banjo mais en mode sac. Ah c'est pas bête ça. J'y ai pas pensé. Attendez, y a pas un truc pour les séparer? Si si, faut que je les sépare. Peut-être qu'en fait si j'utilise que Banjo et que je le mets sous forme de sac, il se fera pas repousser. Attendez, attendez, on va tenter ça tout de suite. C'est une idée qui me vient à l'esprit comme ça. Je pense. J'ai des doutes quand même sur si ça va fonctionner, mais au moins on aura essayé. Et c'est l'importance. Oh là 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 là. Eh eh eh, on se calme avec tes pieds là, hein. Allez, on se calme mon petit. Alors maintenant on teste. Ah non, ça marche pas. Donc mon hypothèse était fausse. Wouhou. Ah, en plus il fait dodo. Bon, au moins ça aurait servi à ça. Et si je fais ça, non plus, ça va pas me servir à grand chose. Et si maintenant j'utilise que Katzoy, est-ce que Katzoy seul est plus rapide et aurait moyen de faire quelque chose tout seul? Aïe. Ah, c'est chiant. Quand on est Banjo seul, on peut tellement rien faire, j'ai l'impression. C'est assez lourd. En plus, il est assez lourd à jouer comparé à Katzoy. Katzoy, enfin, ils sont bien représentés, hein. Katzoy, c'est normal que Katzoy soit rapide comme l'éclair et Banjo un petit peu plus lourd tout seul. Ah, ouh, ouh, ouh. J'ai évité de peu de me faire mal. Aïe, ok, bah, je me suis quand même fait mal. L'autre a pas voulu bouger. Boum. Allez, un troisième coup d'aile. Parce que... Oh, oh. Eh, tiens. Et Katzoy seul, est-ce que ça suffirait par hasard ou non? Attention. Et... Non, même pas. Attention. Non. 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 Ok, bon, bah, y a rien à faire. Ça ne veut pas marcher, ça ne veut pas marcher. On aura au moins essayé. Wouhou. On peut lancer des œufs, c'est cool. Mais ça ne me sert pas à grand chose pour l'instant. Mais est-ce que... Oh, j'ai peut-être une idée. Oh oui, j'ai une autre idée en fait. Bah attends, on peut tester en Katzoy comme ça, donc on va le faire. Si l'autre peut éviter de me... Mais bon sang, qui sont chiens ces Yeti? À vouloir pas me laisser tranquillement une seule seconde. Bon, Yeti, viens par ici. Tiens. Allez, fais-moi ton fier, espèce de Yeti. Voilà, moi ce que je voulais tester, c'était l'œuf. Comme ça. Ta-da. Est-ce que ça marche? Non, oh ça marche même pas. Ils ont même prévu le coup où... Oh eh, c'est bien pensé de leur part, hein. Bon bah on peut pas. J'aurais tout testé, hein, sur ce coup là. Enfin, j'ai pas dû tout tester vu qu'il y a moyen de le récupérer sûrement. Mais en tout cas j'ai pas testé la bonne solution pour l'instant. Ouais, merci Yeti, content que tu sois passé, toi aussi. Bon déjà on va monter. On va essayer de monter plus haut. Mais par contre c'est vrai que pour le coup de l'eau ça me paraît quand même bizarre. On retournera peut-être faire un tour. Il y a sûrement... Non j'ai sûrement dû louper un truc, c'est pas possible. Donc non c'est pas là. Je crois que c'était plus par là-bas. Non c'était pas en haut. Ouais voilà c'est ici. Moi même j'arrive à me louper. J'espère que j'aurai assez de temps par contre pour tout monter. Ah oui c'est bon. Donc là il y avait déjà quoi? Tout en haut peut-être montagne de lave. Mais quoi d'autre? Ah ou peut-être il y a moyen de refroidir l'eau. Ouh, tu m'as fait peur toi. Vilaine main, allez oust. Et zou que je ne vous revois plus d'ici là. Y a pas moyen de... En fait de combiner, enfin de faire tomber, on va dire du monde de glace, les trucs dans l'eau chaude pour la refroidir.
Et comme ça, ils seront contents parce que je vois pour moi, c'est la seule possibilité. Donc là, il y avait ouais, la gare de lave où on était déjà passé. Ou peut-être toi, le dromadaire. T'as pas encore de l'eau? C'est que tu vas nous dire quoi? S'il vous plaît, ne touchez plus à ma précieuse eau. Ah ah! Il ne faut pas trop m'en demander, mon petit dromadaire. S'il y a de l'eau, bah il y aura de l'eau. Peut-être qu'on... Enfin non, ça m'étonnerait que ce soit le dromadaire qui puisse refroidir cette eau-là. Alors comment? Telle est la question. Ah ah! Et si je... Non, et si je vais être dans boule de neige, je pense que c'est con... c'est du suicide. Ça va rien nous apporter de plus. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, Mambo, il n'y aurait pas un socle Mambo pour refroidir l'eau par hasard? Oh, comme je suis esquivé. Attention. Oh là là. Et regardez, je n'ai plus aucun dégât de chute. Ah oui, mais par contre, les dégâts de lave, ça par contre, j'évite pas malheureusement. Aïe. Et là, il y a quoi? Ah, peut-être c'est... Mais justement, il y a pas... Il y a un endroit où on pouvait accéder avec du monde de glace, mais ça, on l'avait déjà fait. Ouais, non, ici, c'est bon, on avait déjà réussi. Là, ça m'intéresse pas. Je revisite un petit peu parce que parfois, enfin vu que le décor ça se ressemble un petit peu tout, je préfère re-regarder une nouvelle fois et qui sait peut-être qu'on se rendra compte que je n'avais pas visité quelque chose et c'est là qu'on aura notre nouvelle pièce, ce qui serait pas bête hein. Parce qu'en soi je pense pas que les autres pièces sont bien plus dures à avoir. Donc là-bas, peut-être retourner directement là-bas. Bon déjà on va monter, on refait un tour d'horizon. Ouais non mais là non. Je suis pas convaincu par ici. La lave par contre j'ai pas trop envie d'y toucher. La lave ça fait mal. Oh petite main, tu ne mourras pas. Et là c'est pareil, là il y avait de l'eau chaude. Mais par contre on avait vraiment moyen de faire quelque chose. Là il y avait le poisson. Le poisson qui était en train de cramer. Ouh attendez j'ai vu un truc. Oh oui il y a l'inalvéole. Ah là faut que j'y vienne au volant. Là c'est bon je sais ce qu'il me reste à faire. Attention! Yala! Pas dans la lave, pas dans la lave, pas dans la lave, pas dans la lave! C'était trop demandé. À côté, si je fais n'importe quoi. Mais vous voyez, l'avantage, on va beaucoup plus vite! Wouhou! Oh, et j'ai même pas fait de dégâts de chute, hein. Ça, si ça c'était pas bien joué, hein. J'aurais eu aucun dégât dans tous les cas, mais. J'ai quand même bien anticipé la chose. Il y avait quoi ici, tout à gauche? Il y avait quelque chose ou. Attendez, on va essayer de faire un truc, donc déjà là. Allez, mon coco, boum, t'es mort. Moi, j'ai envie de voir, il y a un truc ici. On est déjà passé. Ah oui, c'était pour descendre, je crois. Ouais, je crois que c'est pour descendre. C'est juste un escalier. Confirmation, s'il vous plaît. Et si c'est autre part, bah tant mieux, hein. Ouais, voilà, c'était bien un escalier pour descendre. Donc là, déjà, on a une alvéole à aller récupérer. Donc on va s'empresser d'aller le faire. Oui, donc là, c'était la gare, donc non merci. Moi, je veux ça. Je veux la plateforme volante. Et en mode récupérer l'alvéole. Donc, au moins, ça nous en fera une de plus. Ça, c'est positif. Allez, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et encore plus haut. Ah. Et normalement, elle est là-bas. Si, je me suis pas trompé. Voilà, elle est là-bas. Ah, mais en fait, on n'avait même pas besoin. Il y avait un passage. Ah, que je suis bête. Je me suis embêté à tout descendre pour rien du tout. Bah vous voyez, parfois, j'ai vraiment l'air malin. Bon, l'eau. Là, j'aimerais maintenant refroidir l'eau, c'est possible? Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Je veux voir s'il n'y a pas une plateforme pas loin de l'eau chaude. Parce que ça me paraîtrait pas du tout bête comme possibilité. Oh, l'esquive. Oh, l'esquive. Oh oui, toi aussi, t'es beau. J'adore la tête. Y'a pas moyen de la toucher par hasard? Attendez, on va, j'ai envie d'essayer. Ouais, non, je pense pas. J'ai pas envie de trop m'éloigner parce qu'après il va me viser dessus. Non. Ok, donc non. On aura tenté. Yeah. Esquive. Wouah. Oh oh. Aïe 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 aïe. Lui, c'est un petit peu chaud, vous voyez. Y a rien moyen de faire parce qu'à part me dire ah là là l'eau est bouillante, il ne vaut mieux pas aller dedans. Non, rien d'autre. Attention, tout un truc dans de l'eau extrêmement chaude est sans doute en cours de cuisson. Non, tu crois? Merci, merci de l'info. Alors là, ça m'a été encore très utile.
Ah là-bas, il y a une pièce de puzzle. Et comment on fait pour avoir cette pièce de puzzle qui est là-bas? Je veux la pièce. Là, franchement, vu où se situe la pièce, il y a forcément un truc à faire ici. C'est obligé, je pense. On va retourner faire un état des lieux. Non, si en plus elle est collée, forcément il doit y avoir un interrupteur que j'ai pas vu. Le Jinjo de piège, enfin pour nous piéger. Ah oui, voilà, c'était là pour le passage pour retourner de l'autre côté. En plus, il y avait des chaînes. Vous allez pas me dire, les chaînes servent bien à quelque chose? Ce serait possible d'éviter de me tuer? Aïe. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment fait exprès, hein. C'est vraiment des enflures, hein. Non, pas dans la lave, pas dans... Bon, on est mort au moins. Ah non, on n'est pas mort. J'ai réussi au moins à esquiver ça. Avec un point de vie, faut pas trop compter sur moi pour rester en vie encore longtemps, hein. Wow. Non. Hein. Les gars, là, on se calme, hein. J'ai eu ma dose avec vos conneries. Alors, hein, stop. Stop. Bon, là, j'ai tout. Qu'est-ce qu'on a, en fait, ici? Des connexions... Oh! Oh, ta. Voilà. Me faites pas peur. C'était quoi qu'il y avait ici? J'ai plus souvenir, maintenant. On avait une connexion avec le monde de glace, peut-être? Peut-être pas, non. C'était... On est où, là? Ah, on est à droite. Ouh! Ah oui, de la vie. Non, mais... Ah! J'ai même pas le temps de réattaquer que l'autre, il me fonce déjà dessus. C'est quoi ce manque de respect? Oh. Oh, pitié, en plus, ils vont me faire reprendre depuis tout le début. Ben, on va y retourner vite fait, bien fait. Et cette fois-ci, sans bêtises. Je voyais, on pouvait séparer Banjo et Kazooie. Alors, je sais pas si ça... Je sais pas si, si ça nous avait déjà servi une fois. Ou si c'est juste... comme ça. Voilà, l'eau de... L'eau là qui coule. Je sais qu'on était déjà passé, il y avait eu un Jinjo de souvenir. Et on avait utilisé les plumes d'or. C'était la technique que j'avais trouvée de souvenir. Ah, elles sont les bottes. Je veux les bottes. Voilà, je veux ces bottes là. Ouh, c'est quoi? Là, il y a autre chose. Et c'est quoi ça? Ah non, ah oui, c'était les leviers. Donc ça, on l'avait déjà fait. Il n'y a rien d'autre par hasard. Bon, on va prendre les bottes et on va monter tout en haut. Ce sera le meilleur moyen de voir si on a oublié quelque chose ou non. Avoir une vue d'ensemble, c'est toujours la meilleure des choses à faire dans un jeu vidéo quand on est coincé. Allez, on monte plus vite. Allez. Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, voyons voir ce qu'on peut faire d'ici. Je pense qu'on pourra peut-être rien faire, hein. Je ne garantis pas que c'est une grande utilité. Mais en tout cas, qu'on puisse... Moi, on aura essayé, c'est l'importance. Et prochaine fois, si là on a rien et que pardon, et aucun d'entre vous a d'idée, on commencera un nouveau monde ou on retournera peut-être dans les autres mondes à voir. Je ne vois pas spécialement comment récupérer non plus trop d'autres pièces. Oh oui. Ah, mais je suis bête. J'avais pas été récupérer la page Cheeto. Bon, d'accord. Bon bah pourquoi pas, hein. Bon bah au moins ça aussi c'est fait, une nouvelle page de Cheeto. Et autre chose par hasard? Non. On inspecte les lieux correctement. Non. Bon, en fait, ce qui m'intrigue, c'est là. C'est quoi la base qu'il y a? Attention. Oui, doucement. Voilà. Parce que de souvenir, ici, on est jamais venu ici. Je crois pas, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, je pense qu'on n'est jamais venu ici. Je suis presque persuadé même. Oui, c'est ça. Banjo. Par contre, là, il faut juste Banjo. Ah, donc ça sert à ça, Banjo. Il y a une sorte de mini parcours à faire avec lui. D'accord. Bon, bah voilà, j'ai la réponse de pourquoi faut séparer Banjo et Kazooie. Par contre, alors, comment y accéder? Attendez, on va retourner. J'ai envie d'essayer de faire le chemin inverse pour voir par où on doit passer. Et donc normalement là on devrait avoir la nouvelle pièce de puzzle si je me trompe pas. Et donc là c'est quoi? Une autre plateforme Banjo. Ok. Alors peut-être que là on a moyen d'y accéder avec Banjo par les chaînes justement. Ouais, à tester, on va tester ça tout de suite. D'ailleurs on a que ça à faire comme tu dirais, parce que là j'ai pas d'autre idée sinon.
Et qui sait, peut-être que justement ça va nous débloquer la situation. Alors là, ah oui, oui, oui. Il y a justement pile ce qu'il faut. Oui, oui, c'est vraiment, c'est parfait. Par contre, moi, en fait, ce qui m'inquiète, c'est plutôt l'autre là-bas, là, qui arrête pas d'embêter. Il n'y a pas moyen de le calmer une bonne fois pour toutes. Coco. Non. Non, d'accord, bon, bah... Monsieur a l'air susceptible et n'a pas envie de répondre à mes messages. Bah, si c'est comme ça, hein... Oh, mon Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il vise bien. Allez, monte. Monte, 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 monte. Plus vite, plus vite, plus vite. Ah. Ah oh, mon sang. Voilà. Voilà. Oh, comme je t'ai feinté. Ouais, on est obligé de feinter, j'ai l'impression. C'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, c'est où la fissure? Ah, là, je la voyais pas, je me suis dit, je vais réussir encore à vautrer. Là, par exemple, heureusement qu'on a le nouveau pouvoir, parce que sans ça, je sais pas comment on ferait. Hein. À chaque fois qu'on tomberait, on mourrait, on devrait recommencer. Et en même temps, vous m'en voulez pas, je bois juste un petit coup vite fait. Bon, ok. On active la plateforme. Qu'est-ce que ça active? C'est quoi là-bas? Ah, une plateforme pour 4 oeils. D'accord. Ah, d'accord, je viens de comprendre en fait. D'où l'intérêt des bottes pour monter. Et en fait, ça fait une sorte de chemin à travers justement. En fait, c'est vraiment le côté plateforme. Ok, donc là maintenant à 4 oeils, si je me trompe pas, on va devoir monter. Et justement, le fait de monter, ça va nous permettre d'accéder à l'autre interrupteur. Et avec cet autre interrupteur, ça va débloquer la situation, je pense, pour Banjo et ainsi de suite. Ah. Et de toute manière, je peux planer avec 4 oeils et là je suis tout en haut. Donc ça devrait pas être trop dur à atteindre l'autre plateforme. Ah, mais là c'est fermé. Oh, mince, je fais comment alors? Comment je suis censé faire? Vous êtes gentil là, mais... oui. Je fais comment? S'il vous plaît. Bon, ben... La seule solution que je vois pour l'instant, c'est elle. On va tester. Peut-être que je peux... Enfin, faut que je vois. Faut que j'ai une vue d'ensemble, parce que là, je vois pas. Ou peut-être faut que j'aille prendre la plateforme de vol. C'est pas impossible, hein. De manière, tout seul, je peux. Alors, c'est pas le souci principal. Il est où? Ouais, il est tout en haut. Bon. Donc je vous propose, on va... Attention. Planer. Plus vite, Katzoï, allez. Ça, c'est vrai que c'est pratique comme pouvoir. En plus... Ah ouais, non, mais c'est vrai que le coup de pouvoir planer, j'avoue, c'est vraiment super bien pensé et génial. Allez, pique. Piquez, allez, boum. Et comme ça, on passe directement de l'autre côté, pas besoin de planer au-dessus de la lave. J'aurais plus perdu du temps... qu'autre chose. Et 4 oeils, on va s'envoler. Allez, mon ami. Nous croyons tous en toi. Non, je veux que tu voles. Vole. Et maintenant, mode turbo. Wouhou. Oh oui. Allez, encore. Oui. Donc là, pour y aller, c'est ici. Il n'y a rien d'autre par hasard? Non. Attention. Et voilà. Voilà. Donc de toute manière, je pense que c'était un des seuls moyens pour réussir à faire ça. Oui, ça sert à quoi là, ce que tu m'as fait? Ah, d'accord. Voilà, ça m'ouvre l'autre partie. Maintenant, on change de perso. Allez, allez mes cocos, on va y arriver. On peut le faire. L'équipe, le duo de choc est là. Et on sait qu'on peut compter sur eux. Et normalement là on a la pièce de puzzle, c'est ça? Si je me trompe pas. Allez, dis-moi oui. Dis-moi que ça ouvre la pièce de puzzle. C'est tout ce que je demande. Oui, 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 c'est ça, je crois. Oui, c'est bon. Donc on a enfin accès à la pièce de puzzle. Donc maintenant je veux 4 oeils. Attention. Dans la lave, non, sors de la lave. Sors de la lave. Sors de la lave. Ouf. Et oui. Donc ça nous fait encore une pièce de puzzle supplémentaire. Ah, ça par contre, ça c'est super bien. Ça j'adore. Allez Katzoï, je te récupère mon ami. Alors combien de pièces? Je crois qu'on en a 9 sur 10 dans ce monde, hein. Eh, attendez.
Non ! Eh, on en a 10 sur 10 ! On a toutes les pièces de puzzle de ce monde. Oh, et si ça, c'est pas bien joué. Alors là, là, on peut être fier de nous. Ça fait un bail qu'on n'avait pas eu un monde où on avait moyen de récupérer toutes les pièces de puzzle comme ça. Par contre, il nous manque quand même deux Jinjo, ça, je tiens à le faire remarquer. Une page Chito. Bon, la page Chito, ça peut encore passer. Et il y a toujours le coup de l'eau qu'il faudrait refroidir. Mais alors ça, je sais pas comment faire. En tout cas, pour l'instant, je vois, on en est déjà à 35 minutes. Donc, on va sûrement s'arrêter là. On aura terminé ce monde au niveau des pièces de puzzle. Donc ça, c'est plutôt bon signe. On peut être content de nous. Prochaine fois, on commencera sûrement un nouveau monde. Si vous avez des astuces à m'apporter, n'hésitez pas, surtout à propos de l'eau, parce que là, ça m'intrigue énormément. Et en attendant, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Banjo Toy, les amis. Donc sur ça, ciao à toutes et à tous !